Des fois, les images valent mieux que 1000 mots. Je vais te mettre deux vidéos sur Marrakech et on en parlera après. Dame chez qui on a échangé les cartes aussi, mais ils nous ont dit n'échangez pas à l'aéroport. Pas de location de voiture si votre hôtel il est dans le centre-ville de Marrakech. Ça sert à rien du tout. Marrakech, on croit que c'est grand et tout, mais tout est à côté. Quand je dis tout à côté, tout est à côté. T'as vu? Et même pour vos activités, t'as vu? Si vous êtes dans le désert, cascade et tout, on vient vous chercher. Donc ça sert à rien. Et tranquille aussi la conduite là-bas, faut s'accrocher, t'as vu? T'as vu tous tes gadgets qui conduisent en Fiat 500 et tout? Laissez ça au taxi en vrai, je vous mens pas. 4. À Marrakech, il fait tarpin chaud. Sache que tu fais carotte. Déjà. Je sais même pas si c'est un Marocain. Je sais même pas si c'est 2024. Donc c'est un hybride. On ne sait pas ce que c'est. Dans ses conseils, puisque je ne sais pas si c'est un arabe parce qu'il a des tresses. Enfin, je sais plus moi, parce que le métissage des caves, tous ensemble là. Donc on ne sait plus qui est qui. Putain, les clichés font l'humanité, les gars. Donc ça, la crasse qui donne des conseils à tous les crasseux et tous les clochards en costard de France. Donc ça doit être quelqu'un de chez nous. Même s'il n'est pas de chez nous, c'est quelqu'un qui doit être dans notre environnement de cité. Donc les dernières vidéos que j'ai vues comme ça, c'était pour Phuket, la tête de ma mère. C'était il y a 5 ans, c'était le même genre de vidéo. Donc tu vois, il donne des conseils, tarpin, il fait tarpin chaud. Les filles qui conduisent en 500, ça sert à rien de prendre des voitures. Tu sais exactement où ces clochards et ces cafards vont traîner avec qui. C'est le genre de mec qui part dans d'autres pays pour manger des entrecôtes au beefcut. Et tout. Donc, voilà où sont les furoncles et le problème. Maintenant, on va mettre une deuxième vidéo. Marrakech a parfois un peu mauvaise réputation. Et pourtant, elle regorge de trésors. Alors aujourd'hui, je t'emmène découvrir Marrakech autrement. Et toutes les infos sont dans la description. Nous, c'est Camille et Thomas. Et on veut t'emmener voyager un petit peu tous les jours avec nous au Maroc. Rendez-vous dans le quartier de Targa pour prendre un cours de cuisine à l'association Amal. Elle est un espace sûr et aimant où les femmes marocaines peuvent se réapproprier leur histoire à travers les métiers de la cuisine. Nous, on a choisi. Wallah, 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 wallah. Heshma. Heshma. C'est les Blancs qui relèvent le pays dans les vlogs. Ils vont te faire découvrir le vrai Marrakech. Pendant que nous, les Arabes de France, on va là-bas, on nique tout, on respecte rien, on ramène les autres communautés. Et aujourd'hui, on en est arrivé à que bientôt, alors ça je sais, connaissant la police marocaine, ça n'arrivera jamais, mais un jour, comme en Thaïlande, j'ai vu. Il y avait des bouleries sur des flics. Ouais, tu voyais. Le film qu'il y a eu là avec Malik Bentala ou je sais pas quoi. Phuket, Pattaya. Espérons qu'un jour il n'y aura jamais un film qui s'appellera Marrakech quand même.